paix et joie, mon frère, ma sœur. Je te salue au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de l'amour. Ah oui, de l'amour. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadduciens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'amour de Dieu pour nous est si grand. Et nous également, nous devons aimer notre Dieu. Paul nous parle de l'amour en disant l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancœur. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. Oui, mon frère, ma sœur. L'amour n'entretient pas de rancœur. Mon frère, ma sœur, si ton frère t'a blessé, si ta sœur t'a blessé, le Seigneur te dit dans sa parole, aujourd'hui, aime ton prochain, donc tu dois pardonner à ton prochain.
avec nous. Si nous nous aimons les hommes, si nous nous aimons, Dieu est avec nous. Si oui, aimons-nous vivants. Vivons les fruits de l'esprit. Aimons-nous vivants. Soyons charitables. Mon frère, ma sœur, pardonne. Pardonne. Et aime dans la vérité. Demeure dans la paix, dans la joie et surtout dans l'amour. Surtout dans l'amour. Faisons tout avec amour, avec passion, avec charité. Au nom de Jésus. Passe une excellente journée et que l'amour de Dieu ne te quitte jamais. Bonne journée à toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.